Salut tout le monde, c'est Akira, je suis là en compagnie de Mathieu Moreau. Salut tout le monde. Doubleur professionnel et également, bien évidemment, doubleur de Baggy le Clown. Voilà. Pour les jaloux, il est présent pour Ryan Tikin. Ah, on va déballer la boîte de One Piece Burning Blood, le tout nouveau jeu de One Piece sur PlayStation 4, qui est le top du top, over the top de top. Et on va découvrir ça tous ensemble. Alors, donc, première chose, il y a un petit paiement, on a découvert. Donc ça s'ouvre comme ceci. Okay. Donc, voilà. Et on a un putain de décor déjà. Ah ouais. Tout classe. Ah ouais. Ce que j'ai compris, ça devrait se mettre plus ou moins comme ceci parce que on a deux figurines fournies dans le collector. Donc on va après vous faire la présentation tout de suite. Ensuite, on a la jolie boîte qui est comme ceci. Avec bien évidemment le logo de l'équipage de Barbe Blanche. Ace au point ardent. Un petit chapeau château japonais. Voilà. Alors, comment c'est toujours bien un petit château japonais. Ouais, ah bah tiens. La preuve, il est neuf, regardez, on peut même enlever le petit hirte. Ah, c'est neuf. Alors, hop, voilà. Alors, première chose qu'on découvre, bah, c'est le jeu en soi. Il n'est pas sous cellophane cette fois. D'habitude, vous ne voyez qu'un ça en train de... d'ouvrir les trucs en vidéo. Le jeu en question, comme ceci. Comme ceci, bien évidemment. Tac, tac, tac. Alors, déjà ici, on voit quelques petits personnages. Voilà, c'est un jeu de combat. Un peu style à la Tekken, mais en plus en open world, on peut vraiment se déplacer et tout ça. Donc voilà. Alors, ensuite, bah tiens, fais-toi plaisir, fais-moi une dédicace. Voilà. Ça, c'est fait. Pour Ricardo, de la part du capitaine Maggy. Ah, il est content! En grande pompe! Et voilà. Super. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et on voit la main. On va aller sur le côté. Alors. On va montrer à la caméra, comme ça, ils seront vraiment jaloux. Ouais! Vous jalousez, hein? Hein? Eh ben, c'est mon copain, moi. Ah, je sais, c'est mauvais, hein? Oui, je sais. Alors, pour ceux également qui aimeraient voir Mathieu Moreau dans d'autres petites choses en dehors du doublage, il y a également, je vous mettrai un lien dans la description, ce qui répondra à toutes les questions de vos rêves sur mon autre chaîne, Saga du Compagnie, qui exactement est plus axé sur le doublage. Donc, voilà. Alors, bah, la boîte est tout en carton, tout en carton. Plaque de merde. Alors, une figurine de... Oh. Style à la japonaise, ouais. Non, on a trouvé la tête de Barbe Blanche. Ok, d'accord. Donc, ben voilà. Parce que j'ai déjà eu la réflexion de personnes d'ailleurs qui ne sont même pas abonnées à la chaîne, qui me disent, ouais, les déballages, ça se fait exclusivement quand c'est neuf. Eh ben tiens, dans tes dents. Ouais. Voilà. Ben, c'est vrai qu'un déballage, normalement, ça se fait quand c'est neuf. Mais bon, des fois, on n'a pas... des fois, on craque avant. Ouais. Alors, hop. Oh, attends, il y a un artbook. Tiens. Ah. Bah, on va le montrer au passage. Et voilà, le artbook. Et alors, le artbook, il y a... Oops. Oh oui, ils ont fait enfin un artbook dans la lecture japonaise. Voilà. Il est gros de temps. Alors, tu vois ton logo là ou pas en fait, non? Ah, non. Oh. Si, non. Est-ce que ce serait pas celui-là? Je pense que c'est celui-ci. Je me demande. Alors bon, on va faire un petit voilà. Tu peux tourner les pages pour montrer hein. Voilà. Shanks. Tu connais le doubleur de Shanks? Tu as déjà rencontré? Alors si tu me demandes qui fait, alors oui évidemment j'ai déjà doublé avec tous, mais ça fait pas mal de temps. Et je pourrais plus te dire qui fait quoi. Oh ah, c'est lui, là. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah, il prend déjà le stylo. Alors une petite dédicace. Là on peut tous. D'accord. Un petit. Voilà. Et donc pour ceux qui, enfin, la relation, comment s'est rencontré, etc. sera plus précise sur la vidéo de sa compagnie qui va sortir. Mais on s'est rencontré à mon ancien boulot en fait, pour la petite histoire. Voilà. Donc voilà. Et donc il y aura une vidéo gaming qui sortira où il pourra s'amuser avec son petit perso, voilà, se défouler à son aise. Voilà. Voilà, je t'en prie, tu peux tourner. C'est sec. Alors,
Youssef. Ah bah je te parlais de Jean-Pierre Denuy. Oui. C'est Jean-Pierre Denuy qui double Youssef. C'est Jean-Pierre Denuy qui double. Aussi directeur artistique avec qui j'ai beaucoup travaillé. Sanji. Et, voilà, Sanji. Mihawk, œil de faucon. Tiens, c'est marrant, je pense l'avoir fait sur un ou l'autre épisode. Il a tellement fait de trucs qu'il sait plus trop en quoi il a joué. Je trouve ça excellent. Donc, dans les derniers rôles que t'as fait, c'était Divergent. Ouais, je fais la voix de 4 dans Divergent. Voilà, c'est ça. Ouais. Le dernier est sorti d'ailleurs récemment. Le dernier est sorti, ouais. La femme Nathan pour aller le voir, d'ailleurs, on toujours pas eu le temps. Écoute, salutations. Et donc voilà, donc on a. Bon, là, c'est principalement. En fait, c'est tous les personnages avec leur description. Ouais. C'est ça? Ouais, bah attends, bah. Oh, lui, je l'ai adoré. Oh, le travaux, je l'ai adoré. Oh, je l'ai trouvé excellent. Il est terrible, il est terrible. Et alors, on va juste zapper quelques pages. Donc voilà, équipage de Barbe Noire, là. Hop, Ener, super personnage d'ailleurs aussi. Je trouve qu'il est un peu court dans l'histoire. On l'a pas vu assez longtemps. Il a fait l'objet d'un arc, mais vu la puissance du personnage, je trouvais ça un peu dommage. Bah ouais, le grand et le fort Franky, bien entendu. Le Sunny, il a 300 pages. Et c'est qui joue le Sunny? Alors ça, je serais incapable de dire, je suis vraiment désolé. Non, mais le Sunny, il n'a jamais encore communiqué avec l'équipage. Par contre, l'ancien bateau des chapeaux de paille, c'était ouais. Le Merry. Oui. Et lui, il avait une âme et tout ça, et il avait communiqué avec... Mais d'ailleurs, dans l'arc des nerfs, à Skype hier. Bah écoute, c'est bien possible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, comme on double des parties, tu vois, parfois... Oui, des fois... Tu fais juste des scènes, donc tu sais que tu te retrouves sur une belle down, tu sais que tu es dans tel lieu... Mais alors, la partition de tes camarades de jeu, etc., ça l'attrape, donc nous, on a du mal parfois à suivre... À suivre tout. Voilà, exactement. Hop. Ah, là, les pages sont différentes. Là, on a des pages beaucoup plus plastifiées. Bah, bien évidemment, pour montrer Ace, il fallait que ça claque. Donc voilà. T'as vu? Moi, je me découperais le bras. Je me mettrais en ventre, là, le bras. Donc voilà, super classe. Super, super beau bouquin. Donc, honnêtement, très très content d'avoir fait cet achat. J'avais fait le unboxing solo sans toi de One Piece Pirate Warriors 3. J'avais déjà le projet de t'inviter à ce moment-là, mais okay. J'étais un peu trompé. Voilà, ça c'est le super artbook. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, la fameuse figurine, bien entendu. C'est qui? Ah ouais. Alors, figurine. Donc ceci est le cercueil de... Ouais, moi je trouve ça un peu fort quand même, enfin je trouve ça comique surtout, parce qu'ils nous ont fourni dans le collector, on a un barbe blanche et son cercueil. D'accord. On aurait pu nous donner un barbe blanche et Ace, ou non, on a eu droit au cercueil du type juste à côté, c'est un peu glauque de toute façon. Donc voilà, tiens, tu peux... Okay. Hop. Alors, t'es plus fort que moi en Lego, si je me souviens bien. Ça c'est typique dans les déballages de boîtes japonaises, il n'y a pas de boîte d'emploi. Est-ce que je me tente d'ouvrir celui-là? Je t'en prie, déballe. Alors ceci ne va pas là. Celui-là il l'aura dans sa main. Il n'a pas une vision de la figurine? Ah si. Donc, voilà, ça se met comme ça, tant qu'on ait une idée. Ok. Donc, en fait, la cape ne va même pas sur Barbe Blanche, en fait. Elle va sur le cercueil. Dommage, parce qu'elle pourrait. Elle pourrait. On fait comme l'image. On ferait comme l'image ou on fait... Bon, on peut faire... On fera les deux, la démonstration des deux. Voilà. J'ai une tête. Ici. J'imagine qu'il y a... Minuscule sa tête comparée au corps. Je trouve ça terrible. On va prendre son bras, ça va être plus facile. Moi, je vais prendre son corps. Ah voilà, là ça va tout de suite mieux. Voilà, c'est ça. En fait, ça va être derrière. Oui, il y a ah, ta là, fleur. Il y a des petites choses à mettre pour... Ouais. On a l'impression d'être beau gosse. Donc en fait, quand tu m'avais parlé de déballage, c'était pas une blague pour ah non, c'était déballage. C'était vraiment déballage. C'était vraiment un déballage. D'accord, non, mais c'est bien. Pour la chaîne, justement. Alors. Voilà. Ah ok, t'as trouvé carrément le... Il est vraiment plus doué que moi en fait. T'es colère, hein? Ce qui est drôle, c'est quand je monte par exemple à un meuble ou quoi, il y a toujours la vis là, tu vois. La vis qui te reste. Oh mais attention, je te rassure, c'est pareil. Ah voilà. Oui, non. C'est parce que quand je...
Par contre, quand c'est une figurine ou quoi, il n'y a jamais une pièce qui reste. D'accord. Un Lego, pareil. Il n'y aura jamais une pièce. Mais par contre, les meubles, c'est bête. J'ai. Qu'est-ce que c'est? Alors. On dirait un os. Ah, attends, non, ça va comme ça, je crois. Ça va comme ça. J'ai un bras qui n'arrête pas de tomber. Je suis dans un bras qui tombe. Ça, c'est embêtant. Ça comme ça. Et. Ah, ok, j'ai compris. Mais j'ai compris à quoi ça servait, ça. Ça va comme ça. Voilà. Comme ça. Ah! Super. Et donc, on a trouvé son bras. Son... Oui, voilà, c'est voilà. Mieux avec le bras. Et du coup, en fait, ça se. D'accord, donc moi qui n'avais jamais vu l'intérieur d'une boîte comme ça, voilà ce que ça contient. D'accord. Ok. Ouais. C'est assez joli. Hein. Je l'ai mis avant de mettre le bras. Du coup, pour l'enlever, c'est un peu galère. Enfin, tu vois, ça t'a plu. D'accord. C'est bon, au coup de main. Oui, 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 oui. Oui. Je peux. Voilà. Merci, merci. On sent tout de suite la force du baggy dans la vraie vie. Ouais. Et voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et, ça va se mettre contre le sol, en fait. Et du coup, je vais lui mettre son bras parce que tu n'arrives pas à le mettre. Voilà. Entre un qui n'arrive pas à fixer le bras et. Voilà. Voilà. Et en fait. Le bras va tenir à partir du moment où ça va être appuyé. Ouais, ou. Ouais. Je sens que je vais ressortir ma colle Warhammer, tu vas voir. Oui, je la ferai pas aujourd'hui. Mais bon, en gros, ça donne ça. Donc, il y a moyen de lui mettre la cape. En fait, c'est ça qui est assez sympa. En fait, c'est que t'as la possibilité de lui taper la cape comme ça, et du coup, il claque super badass et méga fort machin. Mmh. Voilà, comme ceci. Voilà. Tu sens la puissance? Bah, vu la taille de sa tête, oui, on imagine assez bien la puissance. Oui, c'est ça. Non, en fait, il a une nuque. Il a une grosse nuque. Hein, c'est une grosse nuque. D'accord. Il n'est pas une nuque. Non, non. Je te donne ça? Oui, c'est mieux. C'est bon, mieux. Tiens, je te laisse faire joujou avec ça. Ouais. Voilà. Et non, montre à la caméra. Montre à la caméra. Et comme ça, moi, je peux faire joujou avec, en fait, voilà. Montrer que ça se met comme ça. Ok. Voilà. Ouais, on a trouvé le truc. Et donc, c'est la tombe de Edward D. Newgate. Voilà, assez sympa. Et du coup, on n'a pas trouvé à quoi servir cette petite truc-là. Il y a toujours un truc qui sait pas à quoi ça sert. Ah, c'est pour le pied! Si, c'est la terre sur le pied, tu vois. Voilà. 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 Là, comme ça. Voilà. Et du coup, ça tient comme ça. Voilà. Ok. C'est ça. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. Ça. Je suis pas doué. Hein. Ça, on va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre comme ça. Ça, on va le mettre comme ça. Sors ton téléphone, fais la photo. Ok, donc, comme ceci, avec le joli truc de fleurs, voilà, avec ça que ça ressemble. Ouais, ça pète. Hein. Et en gros, il y a normalement le décor comme ceci qui va derrière. Voilà. Donc ça peut bien donner dans une belle vitrine. D'ailleurs, on en parlait, je vais avoir ma vitrine tout à l'heure. C'est un truc à mettre dedans. Donc, super sympa. Donc ça, c'est Marineford, hein, la super bataille où d'ailleurs que tu as doublé. Ouais. Donc, voilà. Et... ouais, t'as dû bien t'éclater à ce moment-là, parce que c'est un des moments où Baggy, il est... Ah, je peux t'assurer que... Ouais, ça c'est un personnage qui m'a... Au niveau énergie, ouais. Ouais, ça, hein, ça pompe bien. Ah, je peux t'assurer que j'ai mouillé des t-shirts, quoi. ouais, non, et c'est pas une blague, hein. Il y a des séances où le t-shirt, on le baquait, d'ailleurs, parce que... C'est... non, il a tellement... Il pète un câble constamment, donc... être tout le temps. Non, mais ce qui est drôle, avec ton, ce qui est drôle avec ton personnage, c'est quand justement quand il sort d'une pendant et qu'on va à Marineford, ton personnage en soi, c'est un big mytho en fait. Hein, ah oui, complètement. Hein. Complètement. Et il a de la chance de ne pas s'être fait dessouder par ses hommes, parce que tu as l'impression qu'à chaque fois, il est se dit non, mais là, si je fais ça, ça va pas aller, ça va pas bien se passer. Donc voilà, donc non, il est drôle, il est pleutre, il est... Quand tu doubles le fait, sa pensée et sa voix, tu fais une intonation de voix totalement différente. Quand je prends la voix de Baggy le clown, le fait de prendre une voix te met dans...
Non mais je veux dire quand tu vois que t'as la manière dont il parle à ses hommes, tu vois, Ouais. que je suis le plus fort machin, et puis t'as la manière où il pense. Oui, tout à fait. Ouais, ok, d'accord. Et ça tu arrives à jauger, tu le fais en une fois en fait. Alors, les pensées sont généralement, comme c'est du off, sont enregistrées après Après, ou d'accord. avant, et le on, c'est-à-dire tout ce qui est Parce que activité. t'as deux intonations totalement différentes, donc. Complètement. Ok, voilà, c'est C'est-à-dire qu'il y en a une qui est beaucoup plus dans la tête. bon. Oui. Et puis alors, quand il commence à parler avec. Voilà, on est dans le on, ce qu'on appelle le on. Ouais, Tout ce que tu vois à l'image, ça, c'est le on. Les pensées, la narration, tout ça, c'est du off. ouais. Et Ok. on l'enregistre de manière séparée. C'est cool, Voilà. ça va. Ben voilà, ben donc on va. Allez, je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher, je t'en prie. Ok. Et ça fait. Si on calcule bien, on s'est rencontrés la première fois en 2012, la première année où j'étais à mon ancien boulot. Et donc 2012, ça fait 2013, 2014, 2015, 2016. Ça va, j'ai attendu là. Hein. Oui. Je devais lui apporter bien avant, mais j'avais toujours zappé, ou généralement il venait au moment où c'était pas trop Mais ce attendu. qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il n'est pas le seul responsable, parce que j'ai fort pris aussi, donc Bah oui, tu as un planning d'ouvrir d'équipe. Oui, et ça a été un peu ça. Ouais, c'est ça. De la part de Baggy le clown. Ah, bah voilà. Et voilà, bah j'en profite vraiment. Ah tiens, un jour on fera un concours où il y aura un jeu dédicacé de ta part. Bah ok, Un vas-y. jour il y aura. Je ne sais pas vous dire quand, mais sachez qu'il y aura un concours sur un jeu. Ça peut être n'importe quel jeu One Piece, que ce soit sur la Wii, que ce soit sur. Peu importe, mais il sera dédicacé. Donc voilà. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en bas à droite de l'écran. Mathieu, m'en remercie d'être présent aujourd'hui. On se Merci. retrouve très bientôt avec une game sur le super jeu One Piece Burning Blood, qui est super sympa apparemment. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. On va découvrir ça ensemble. Tu vas tester ton propre personnage que tu doubles et on verra ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de mettre des commentaires aussi. Si Exactement. ça, on répondra avec plaisir sur la chaîne Saga de Compagnie. On essaiera aussi de répondre à ces questions-là. Et sinon, au pire, on mettra une petite grappe sur INT Games aussi pour cela. Ciao, ciao tout le monde!